Guéri d'arthrose au nom de Yeshua. Problème d'articulation, mon frère, vous te guérir, mon Jésus de Nazareth, la gloire à Dieu. Je remercie. Quelqu'un a un début de cancer que le Seigneur a restauré ici au nom de Yeshua. Problème de globules aussi, globules que le Seigneur a guéri au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un a des acouphènes, tous les autres ont guéri aussi ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, merci pour ma soeur qui a guéri au nom de Jésus Christ, la gloire à Dieu. Quelqu'un souffre beaucoup du dos là, le dos te fait vraiment mal depuis quelque temps. Tu demandes de l'aide au Seigneur, mon frère, c'est toi là, le dos là. Depuis quand? Tu peux te lever? Viens me voir. Waouh, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oh, il y a une onction sur lui là, aidez-le. Il y a une onction sur lui, le Seigneur est en train de restaurer son dos là. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de son dos là. Jesus Christ. Magnifique Seigneur, magnifique. Le Seigneur me parle de quelqu'un qui s'appelle Jacques, que le Seigneur est en train de restaurer tout ça là. Jacques, ici, là, je crois qu'il y a quelqu'un qui est pris pour Jacques. Là, le Seigneur te dit, là, il a entendu ta prière, voilà quoi cet homme. Seigneur, merci pour ce dos. Jesus Christ. Alléluia. Tu peux bouger ce dos là maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Alléluia, gloire à Dieu. Quelqu'un au niveau de son pied droit, hein, son pied droit qui te fait mal. Viens, ma soeur, merci. Alléluia. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Et une belle présence du Seigneur. Oh, alléluia. Belle onction là, de guérison, de miracle. Il y a quelqu'un que le Seigneur est en train de délier d'un démon ici. Il y a un démon qui perturbe quelqu'un ici depuis quelques temps. Cet esprit, le Seigneur est en train de le chasser. Cet esprit qui est tout en noir là, tout ça là. C'est un esprit qui amène la mort, qui amène le chaos dans ta vie. Je t'ordonne au nom de Jésus de Nazareth, tu vas quitter cette femme, tu vas quitter sa vie. Maintenant, dans le nom de Yeshua, tu sors de son âme, sors de son corps. Maintenant, non, tu remontes et tu sors. Sors de là, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, merci pour ma soeur. Aidez-la, l'onction sur elle. Waouh, Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ton onction sur elle. Ne vous inquiétez pas, c'est la puissance de Dieu. Ça va aller. Il y a quelqu'un ici, je dis, il y a un démon. Quelqu'un ici, un esprit tout en noir, tout sombre. Là. C'est un esprit qui amène le chaos dans ta vie, qui amène la confusion. Cet esprit de confusion qui amène le doute dans ta vie, qui veut te paralyser, qui veut t'empêcher d'aller plus loin avec le Seigneur. Le Seigneur a vu ta souffrance, tout ça. Le Seigneur est en train de te détacher, n'est-ce pas? Comme Lazare, le Seigneur te délie totalement au nom de Yeshua de Nazareth. Avec le Seigneur, merci pour la libération de cette personne. Merci pour la guérison, la délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth, je t'ordonne. Je donne un ordre précis. Tu quittes cette personne-là au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, merci. Oh, alléluia. Amène ce jeune homme, amène-le-moi. Il est sur lui, le Seigneur est en train de le délivrer là totalement. Là. Jésus, alléluia. Le Seigneur te libère de tout ce qui est. Esprit de sexe, tout ce qui est sexe, tout ce qui est porno, tout ça. Sors, mon Dieu. Allez, quitte-le. Amène-le pour ici. Et l'onction là, ce démon là, ça va. Tu sors, au nom de Yeshua. Tu sors de là. Tu sors. Vous voyez, il est comme prisonnier de cette chose là, tout ça là, qui. Toutes ses pensées impures, tout ça là. Là, comme un casque satanique, diabolique, là, tout ça, là. Attaque ses pensées, là, tout ça, au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Quelqu'un ici est beaucoup attaqué la nuit par un démon. Un démon qui vient souiller ta vie, là, qui vient t'attaquer la nuit, là. Tout ça, là, c'est un démon qui vient te souiller. Au nom de Jésus de Nazareth, viens ici, cours ici, là, une onction de guérison, de miracle. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, merci pour ta puissance. Alors, ceux qui n'ont jamais vu ça, ne vous inquiétez pas, c'est pas la magie, c'est pas la sorcellerie. C'est la puissance de Dieu. Dieu délivre son peuple dans le nom de Yeshua, le Seigneur et Sauveur. Alléluia, aidez-la, sors de là. Quitte-la, sors, démon, sors. Voilà. Et tu sors au nom de Dieu de Nazareth. Tu sors au nom de Dieu de Nazareth. Oh, Seigneur, merci pour ta grâce, mon Dieu. Merci, Père. Alléluia. Quelqu'un a un problème de digestion. Tout ça là, tout ce que tu manges là, c'est. T'as du mal. Un problème d'intestin en même temps, là, le Seigneur est en train de guérir cette personne là, c'est vous? Vous venez? Au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur, merci Seigneur, alléluia, il y a une belle onction sur elle là, et une onction de guérison. Oh là, la puissance de Dieu ici là. Waouh! Le Seigneur me dit qu'il est, il est ton Père là. Il est ton Père, le Seigneur, comment l'amour du Père là vient guérir ton âme, ton cœur là, au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur t'a choisi. Depuis le sein de ta main, il t'a mis à part pour son royaume. Au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, merci, c'est réglé ce problème là. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a une personne, il y a une femme ici, dans sa famille, dans ta famille. Il y a trop, viens, il y a une onction sur elle, il y a quelque chose qui sort là d'elle. Il y a quelque chose qui sort, tu remontes, tu sors au nom de Yeshua. Alléluia, tu t'en vas là, au nom de Jésus de Nazareth, tu t'en vas là.
Alléluia. Quelqu'un ici là, dans ta famille, il n'y a pas de mariage là, tout ça là, les femmes ne se marient jamais, tout ça là, le Seigneur est en train de te rendre libre. Au nom de Yeshua, aidez-la, il manque sur elle. Jesus, le Seigneur brise ce lien de célibat dans ta famille là, au nom de Jésus de Nazareth. Ce lien de célibat là, le Seigneur te dit là, tu vas, le Seigneur va te bénir le mariage là, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta présence, merci mon Dieu. Voici ta délivrance au nom de Yeshua, le Seigneur Sauveur, gloire à Dieu. Voilà, ça remonte là, voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Jesus, allez, quitte là, au nom de Jésus. Allez, tu sors au nom de Jésus Nazareth, tu sors de là. C'est bon, c'est réglé. Seigneur, merci. Oh, ça sort là, ça remonte là, ça sort au nom de Jésus de Nazareth. Frère, ça va? C'est comment là? Ça va. T'es sûr de toi là? Ouh, Seigneur, merci. You are holy. Tu viens? Je prie pour toi, alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, merci. Aidez là. Il faut être toujours derrière, il faut nous aider. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Viens. Aidez là derrière, là, s'il vous plaît. L'onction là sur elle, là, la puissance de Dieu est sur elle. Ça va? Ça va? Gloire à Dieu. Waouh, Seigneur, merci. Bénis là. Quelqu'un souffre de la dentition, problème de dentition. Au nom de Jésus, le Seigneur veut vraiment te donner des dents toutes neuves là. Ça va? Diabète, au nom de Jésus. Ça va aller. Diabète, c'est bon. La dentition. Hein. Oh Seigneur, merci pour ma soeur. Tu es un bâton et tu es en train de marcher comme une vraie soldate là, au nom de Jésus Nazareth, pour défendre la vérité, au nom de Yeshua, alléluia, tu es une guerrière, alléluia, gloire à Dieu, une vraie guerrière, alléluia. Ça va là? Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Quelqu'un a une mauvaise odeur, une odeur qui te poursuit là, ça te fatigue, ça t'épuise, tu n'en veux plus, le Seigneur veut vraiment te guérir là, tu transpires beaucoup, quelqu'un ici, une transpiration, c'est une maladie. Le Seigneur veut vraiment te guérir de ça. Et de là, derrière, la dentition. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur. Merci, ça va aller. Gloire à Dieu. Cette odeur-là qui te poursuit la douleur, tu le tues. Voilà. Tu transpires. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui n'arrive pas à parler, qui est très timide, hein, qui reçoit des choses de la part du Seigneur, parfois, le Seigneur veut. Que ta langue se délie, mon frère, tu vas parler, vous allez parler, mes frères et sœurs. Au nom de Yeshua, alléluia, c'est quoi ton problème? L'odeur, c'est toi, on attend le Seigneur pour ce jeune homme. Lâche-le! Sors! C'est réglé. Voilà, je viens de te pour toi. Ah, Jesus. Aidez-le, une onction sur lui là. Oh là là, une belle onction là, ici sur lui là. C'est un évangéliste là, tu vas pouvoir prêcher la parole de Dieu. Mais... une onction, le guérison qui va l'accompagner là désormais, là, au nom de Yeshua, le Seigneur Sauveur, c'est bon. Le feu va l'accompagner partout, au nom de Yeshua, et de gloire, il va t'aider beaucoup. Tu es ma princesse, tu es une perle, tout ça pour lui, tout ça, tu vas crier, tu vas parler du Seigneur, tu vas parler du Seigneur aux enfants, tu vas parler du Seigneur aux jeunes, au nom de Yeshua, le Seigneur Sauveur. Je te dis, ouvre ta bouche et je vais la remplir. Il te donne le psaume 81, verset 11. Il est dit dans ce psaume, ouvre ta bouche que je vais la remplir. Le Seigneur guérit ton cœur et t'es beaucoup blessé. Le Seigneur dit, je suis ton père, je te connais, je t'aime et je t'ai choisi au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Une belle onction sur elle là-haut. Magnifique Seigneur, une belle présence de Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci. Aidez-le, une onction sur lui là-haut, une belle onction là-haut. Là, Seigneur, merci. Regarde-moi ce jeune homme là, comment Dieu le délivre là-haut. Là, Seigneur, merci. Regarde cette belle onction là, une belle onction ici. Oh, Seigneur, merci. Jesus. Oh, Dieu remplit les gens. Une vraie puissance, là, mes amis, là. Allez, vous êtes là. Sors. On acclame le Seigneur, ça dénonce pas la vie de Oh, là, ça sort. Tu veux baptiser, jeune fille? Dieu t'aime beaucoup, tu sais bien, moi, je prie pour toi. Dieu veut toucher ta famille, Dieu veut toucher ton entourage, tout ça. Le Seigneur, tu te sors de loin. Et le Seigneur te dit, tu vas beaucoup voyager dans les pays pauvres, tout ça.
tu n'aimes pas l'injustice. Le Seigneur dit, tu seras entouré des gens qui sont pauvres, des gens qui sont dans les besoins, des femmes qui ont été violées, des femmes qui sont dans la rue. Le Seigneur dit, je vais t'amener des prostituées à qui tu vas partager mon amour, tout ça. Dieu va les soigner, Dieu va les toucher au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur. Alléluia, gloire à Dieu. Magnifique Seigneur, magnifique Seigneur, magnifique Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci. Oh, je vois l'œil. Et à l'intention. Seigneur, merci. Magnifique Seigneur, magnifique Seigneur, magnifique Père. Magnifique Père. Alléluia. Ça va, jeune homme? Gloire à Dieu. Je dois te poser la question, comment faire pour être sauvé? Tu veux être sauvé? Tout à fait, oui, je le veux. Gloire à Dieu, c'est beau ça. Oh, que la mort s'en aille de ta vie. Au nom de Yeshua. Oh, Dieu l'aime. L'amour du Père le guérit. Alléluia, gloire à Dieu. Magnifique Seigneur, magnifique Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, que cet homme soit guéri, papa. Au nom de Yeshua. Oh Dieu l'aime. Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur. Merci. Merci, merci, Père. Merci. Merci. Je t'aime. Alléluia. Tu es marié? Non? Tu es veuve? Viens, 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 viens. Le Seigneur t'aime. J'ai vu comme si elle était amputée en esprit là. Tout ça, quelque chose comme si un membre qui manquait là, tout ça là. Oh Seigneur, Dieu t'aime, le Seigneur te restaure, au nom de Yeshua, le Seigneur sauveur, gloire à Dieu. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Tu as beaucoup prophétisé parce que le Seigneur t'appelle, le Seigneur t'aime, le Seigneur t'a choisi, au nom de Yeshua. Alléluia. Au nom de Yeshua, il y a quelque chose qui sort, il y a un esprit qui sort. Vous voyez? Cette femme souffre, cette femme est complètement liée, ligotée, au nom de Yeshua. C'est un esprit de mort qui est là, qui est là. Vous voyez, ce démon est en train de tirer son âme en arrière pour l'amener en enfer. On acclame le Seigneur, le démon, c'est en enfer. Seigneur au Père, au Seigneur au Père, des guérisons, des miracles, mon Dieu, mon roi, Père, merci. Il y a un démon ici qui est en colère, qui est très en colère, là, c'est un démon de colère, qui est là, qui embête quelqu'un depuis longtemps, depuis des années. Cette personne pousse elle a parfois des sentiments de haine, de colère par rapport à ce qu'elle a vécu. Tu as vécu beaucoup d'injustices. Ta famille a été beaucoup, beaucoup, beaucoup rejetée, tu as été beaucoup calomnié, tout ça là. Il y a comme de la rage dans ton cœur, de la rage dans ton âme là. Le Seigneur vient avec son amour là, te sortir de cette colère là au nom de Yeshua. Et cet esprit ne va plus t'embêter au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Yeshua. Aujourd'hui, le Seigneur te libère là, de la colère au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci pour ma soeur, bénis là mon Dieu Père, au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Oh Alléluia, magnifique Seigneur, magnifique Seigneur, magnifique Seigneur. Alléluia. Le Seigneur te bénit dans le mariage, là, te dit le Seigneur, au nom de Yeshua. Il te bénit dans le mariage, là. Je la vois bien en robe de mariée, là, les amis. Là. Oh, c'est magnifique ça, la puissance de Dieu, magnifique Seigneur, mon Dieu. Oh, il y en a, oh, la guérie, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu as la guérie, au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Magnifique Seigneur, magnifique Seigneur, magnifique Papa. Oh, Dieu nous aime. Nous avons une sœur qui vient de la Macédoine. On va vous la présenter tout à l'heure. Elle est venue de la Macédoine pour ce programme aussi. Elle nous a touchés. Sa vie nous touche, nous encourage énormément. Ça va? Ça va? Tu vas arrêter de fumer. Oh, ça c'est bien ça. Gloire à Dieu. Tu penses que Jésus-Christ peut te libérer de la cigarette? De la nicotine? Oui. Waouh. Sors. Oh, que cette chose-là qui la lie à la cigarette, à la nicotine, toute sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Merci Père, merci Père. Toutes les personnes qui veulent le baptême, est-ce qu'on peut les baptiser aujourd'hui là, c'est bon ou pas? Hein? Ceux qui veulent le baptême, venez me voir. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur pour leur vie. Gloire à Dieu. Wow. C'est magnifique. Ceux qui veulent le baptême, venez me voir au nom de Jésus de Nazareth. Jésus vous appelle, Jésus revient, alléluia, gloire à Dieu. C'est magnifique. Venez pour le baptême, vous pouvez rester à mes côtés là. Gloire à Dieu, on acclame le Seigneur pour leur vie, Seigneur, merci. C'est beau ce que Jésus fait. Le baptême. Et des likes, donc sur la délivre. Tu es venu? Le message c'était pour elle.
C'est un enfant que je pleure beaucoup. Je pleurais, je sais pourquoi. Le mensonge. Je suis sorti en Guadeloupe, mes soeurs et frères. C'est pour elle. Parce que ça ne fait pas longtemps que j'ai vu le frère Chora, il était avec nous. Mais pour elle, hier soir, j'ai dit, Seigneur, mais une parole de mensonge pour que l'enfant comprenne ce qui c'est le mensonge, où l'on et le mensonge peut nous emmener. Hier soir, on était dans la guerre, j'étais dans la guerre avec cet enfant. J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, je viens, c'est pour libérer cet enfant, je ne peux plus, mes frères et soeurs. Je ne peux plus avec cet enfant, il était en Guadeloupe, je l'ai envoyé ici pour ses études. Mais là, l'enfant est parti. Pour moi, maintenant, elle est devenue pure. Elle fume, elle est avec des amis, elle boit. Là, elle n'entend rien. Elle m'insulte, elle n'écoute pas. Je demande seulement un cri de mon cœur que le Seigneur libère cet enfant. Elle a une couleur. Une couleur. Ah ben là, c'est bon. Là, c'est bon, cet enfant-là. Cette jeune femme, le Seigneur, qui nous a délivré. Un sort, au nom de Jésus. Allez, remonte ça, vous. C'est l'esprit de séduction qui s'en va. L'esprit de rébellion là, au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne vas plus revenir dans ce corps là, au nom de Jésus de Nazareth. C'est fini. Amen. C'est pour le baptême là, vous tous. Ah, venez à mes côtés, c'est magnifique ce que Dieu fait. C'est magnifique. Quand je vois des jeunes, des moins jeunes, qui se lèvent pour le baptême, mes amis là, c'est magnifique. Hein, s'il veut, s'il y a une maison quelque part, on va aller les baptiser aujourd'hui. Là. Si c'est possible. Ouh, c'est magnifique. À Toulouse là, il se passe des choses, hein, oui. Juste un témoignage, ouais. Par rapport à ma guérison d'aujourd'hui. En effet, je suis arrivé près de Toulouse parce que moi je suis à Saverdin. Entre temps, j'étais à Toulouse, à Troyes. Ça fait 6 mois que je suis dans la région. Et quand on était dans l'église de Troyes, on priait dans les maisons. J'avais eu premièrement la goutte. J'ai attrapé la goutte par manque d'hygiène alimentaire. Et le Seigneur m'a révélé cela. J'ai été guéri par la goutte. J'ai été guéri comment? On partait chez une sœur dans sa maison pour prier. J'arrivais pas à me chausser. Donc j'ai enlevé les chaussures et on était avec les frères et sœurs en prière. Tout le monde avait chaussures à pied, sauf moi. À un moment donné, je priais. On était dans la louange et l'adoration. J'ai commencé à sauter. Or, je boitillais quand je suis arrivé. Après, j'ai commencé à louer. J'ai adoré. Je me suis rendu compte que j'étais en train de sauter. Finalement, mes pieds qui étaient enflés, je suis reparti avec chaussures à pied. Amen. Amen. Première guérison, avertissement, hygiène alimentaire, frères et sœurs. Hygiène alimentaire, l'excès de table. J'en suis un témoin, le Seigneur m'a guéri. Je me suis un peu relâché. Et là, c'était le problème de dos depuis le 15 janvier. J'ai eu le dos bloqué. Je ne comprenais pas pourquoi. Et après, le Seigneur m'a mis, attention, tu es en train de te relâcher aussi au niveau de l'hygiène alimentaire. Donc j'ai les doigts de pied qui sont enflés. J'ai été faire un scanner, on m'a dit c'est un bombement discal. Après ce stade, on passe à l'hernie discale. Donc je me suis encore repenti. Vraiment que le Seigneur nous garde. Lorsque Dieu nous ouvre les yeux, il faut vraiment qu'on garde ça comme un bon dépôt afin de ne pas relâcher. Après, ça revient, la redondance, finalement, on est têtu, ce n'est pas bon. Là, aujourd'hui, quand le frère a prié, je suis venu avec tout mon cœur, afin que le Seigneur fasse quelque chose pour moi. Et le Seigneur m'a exaucé. J'ai encore été guéri de ce pompement discal, je crois fermement. Et le scanner nous révélera cela par la gloire de Dieu. Là, t'as plus de douleur, là. J'ai plus de douleur. En venant, c'était pas forcément intense, mais je suis sous traitement. Je suis sous traitement. Il y a des douleurs, mais par intermittence. Et là, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, moi, je te voulais voir. Je crois que le Seigneur soit glorifié.